c'est vraiment une exclu de ouf. What the fuck? Oh là là. C'est tellement pété. Ouais, je regardais moi ça. Ok yo les mecs, alors ça faisait longtemps que j'étais pas aussi excité à l'idée de vous filmer une vidéo de boxing les mecs. Vous me connaissez d'habitude, je suis toujours super excité pour filmer des vidéos où je reçois des claviers ou des souris. Mais là vraiment, ça dépasse tout ce que j'ai pu avoir avant. Les mecs, je tiens entre mes mains le clavier le plus pété pour jouer à Fortnite. Et ça, y a aucune vanne, je vous jure, je peux vous parler sérieux. Ce clavier est cheaté de fou. Ça fait une semaine que je l'ai commandé, il est hors stock partout. Vous en trouverez sur aucun site. C'est vraiment une exclu de ouf. En France, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. En vrai de vrai, en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont. Sur clavier souris, vous pouvez pas avoir les mêmes mouvements que les joueurs manettes. Je vais vous expliquer ça après si vous n'arrivez pas à comprendre. Et ce clavier permet d'avoir les mouvements des joueurs manettes avec un clavier. C'est pas super compréhensible, je suis d'accord avec vous. Les mecs, aujourd'hui, on va unbox le Wooting One. C'est plus l'Apex Pro maintenant, les mecs, le meilleur clavier, c'est le Wooting One. Je suis trop excité ça. Eh, ça se voit ou pas que je suis content? Et quand je reçois un clavier ou une souris, les mecs, je suis aux anges. Encore plus quand c'est un truc exclusif comme ça. Je peux l'ouvrir avec quoi? J'ai pas de couteau, on va l'utiliser mes dents. J'ai pas encore vu de vidéo unboxing en France hein. Je vais vous montrer ça les mecs, je vais vous expliquer un peu comment ça marche tout ça. En gros ils ont une nouvelle technologie dans ce clavier qui fait que vous avez les analogues comme les manettes en fait. En gros votre clavier va être détecté comme une manette, mais c'est un clavier. Alors, on a un truc pour enlever les touches, on a le câble et on a le clavier en dessous. Oh, il y a des switches. Ce clavier a des switches rouges, donc les switches rouges de base, en gros, les Cherry MX rouges, je crois. Mais c'est vraiment pas la rapidité, les mecs, qui fait que ce clavier est super bien. Et en vrai, la rapidité, les mecs, entre l'Apex Pro et celui-là, tu peux l'avoir, tu vois. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être plus fort avec ce clavier. Voilà, on a le clavier. Il est hyper léger. Oh là là, les touches sont trop agréables. Oh là là. Oh c'est trop bien. En gros ils ont mis une carte postale. Ici on a besoin d'une faveur, ils ont dit écrivez-la et envoyez-nous la carte postale. Et on va faire de notre mieux pour faire en sorte que ça se passe. C'est trop bien. Première compagnie que je vois vers ça. Parce qu'en vrai c'est pas une entreprise super connue les mecs hein. Ok let's go les mecs, c'est bon, on a fini la rigolade. Il faut passer au truc sérieux. Déjà un câble détachable c'est pas mal. Alors toi tu dégages mon ref, on a plus besoin de toi. Toi tu dégages, allez on dégage plus. Allez hop l'Apex Pro là. Et voilà. Hop, un petit coup de nettoyage parce que mes souris passent souvent là. Le Wooting One au milieu. On prend le petit câble. Est-ce qu'on voit bien? Ah, je crois que la lumière on voit pas trop. Ah, là on voit déjà mieux là. Oh, là il est beau là. Je suis refait la tête de ma mère. Du coup on est sur mon île, je vais vous montrer la différence entre le clavier normal et le clavier Wooting One pour vraiment que vous vous rendiez compte à quel point est-ce que c'est cheaté. Et après je vais vous montrer en game. Quand vous courez avec un clavier souris, si vous avez déjà joué clavier souris, les mouvements sont comme ça en fait. Quand vous regardez à gauche, votre perso va aussi à gauche. Et quand vous regardez à droite, votre perso va aussi à droite. Et sur ce clavier, t'as plusieurs petites touches qui activent le mode spécial avec les analogues. Et là normalement attendez. Ah ok, alors attendez. New profile, rename. Ok, un truc analogue. Ok, on va essayer. Ok, alors normalement ça devrait être bon. Sauvegarder profil. Pourquoi mes touches marchent plus là? Mon clavier marche plus. Ok les mecs, là ça fait une demi-heure que je suis dessus. J'ai enfin trouvé comment configurer les mecs, regardez. Je suis sur mon clavier souris là. What the fuck, oh là là. C'est tellement pété. Ouais, je regardais moi ça. Là je suis en mode avec le clavier analogue. Et regardez, je vais retourner avec le truc de base. Et regardez, je peux pas faire ça. Je suis obligé de me retourner à chaque fois. Vous avez vu? Je suis obligé de faire ça à chaque fois, toutes les deux secondes. Alors que là, hop, j'active le mode. Et là. Oh là là là, c'est tellement pété. What the fuck. C'est vraiment pété. Oh, je trouve ça vraiment cheaté, hein. What the fuck? Regardez comment c'est facile. Je suis à l'aise. Je me sens sur un nuage. Et voilà la pratique, les mecs. Donc, plus je vais appuyer sur ma touche D ou A, donc ma touche pour aller à droite ou ma touche pour aller à gauche, plus ça va faire les mouvements de manette. Donc là, imaginez, regardez, j'appuie un tout petit peu. Regardez, ça ne fait rien. Par contre, dès que je vais appuyer fort, je vais pouvoir regarder à gauche, je vais pouvoir regarder à droite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça, tu peux garder un peu les mouvements d'avant. Donc avec un clavier normal. Tout en ayant, voilà, si tu veux, les mouvements de manette. Donc juste en appuyant plus fort ou pas. En vrai de vrai, je trouve ça cheaté, moi. Ça aide tellement au niveau du piece control. Pouvoir mettre des balles que tu pouvais pas mettre avant. Enfin, c'est... Je trouve ça super fort. C'est tout nouveau. Je pense qu'en France, ça va se répandre de plus en plus, là. Parce que pour le moment, il y a pas vraiment beaucoup de monde qui l'ont. Mais ça va vite venir. Il y a quelques joueurs quand même, comme Andy Lex, comme Nate. Des joueurs français, je parle, qui l'ont. Mais il y en a très peu, sinon, en France. Alors qu'aux États-Unis et en Europe en général, c'est déjà pas plus développé. Il y a Benji qui l'a, il y a pas mal de joueurs pro américains qui l'ont. Je suis content d'être l'un des premiers en vrai français à l'avoir. En vrai de vrai, je suis content d'être l'un des premiers. En plus, je vous fais une petite vidéo dessus. Parce que je sais qu'il y en a qui en ont entendu parler, mais qui comprennent que dalle à ce que ça veut dire double mouvement, switch analogue. Du coup, je suis content de vous expliquer un peu. Voilà, pour ceux qui comprennent pas, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, les mecs. Je répondrai aux questions les plus intéressantes. Et le clavier, il est pas donné. Hein. J'en ai pas parlé, mais le clavier, il est pas donné. Il coûte 160 euros. C'est de la thune. Hein. C'est 160 balles quand même, ça coûte cher. Mais voilà, c'est de la technologie qui est venue nulle part ailleurs. À part chez Razer, ils ont sorti un
a pas longtemps. Razer, ils ont sorti un clavier analogue il y a pas longtemps pour essayer de se placer sur le marché, mais leur clavier, je sais pas, déjà il est pas en TKL, donc ça veut dire que t'as tout le pavé numérique et tout. J'aime pas ce format. Et ce que je vous conseille de faire, moi, honnêtement, c'est d'attendre un peu, parce que je pense qu'il y a plein de marques qui vont commencer à se mettre sur le marché, comme SteelSeries, Corsair, etc., etc. La même chose en fait qu'avec le Apex Pro TKL. Le Apex Pro TKL il est sorti, il y a toutes les autres marques qui se sont mis à faire des switch optiques comme Corsair, comme Razer. Donc je vous conseille honnêtement d'attendre un tout petit peu, et je pense que les marques vont commencer à s'y mettre. Elles vont voir l'engouement qu'il y a autour de ça et elles vont se dire oh là. Merde, il a pris les toilettes, putain. Oh là là, le réflexe. Ouh, j'ai eu chaud, hein. Oh, faut que j'arrête de faire le mec, là. Oh là 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 là, cette... Oh, ce fourbe. Oh, les fourberies de Scapin, gros. Alors là, comment vas-tu, Messia? Oh, tout ce qu'il a essayé de faire, je l'ai pré-shot. Si j'avais mis le noscope, c'était bien évidemment grâce au clavier, hein. Let's go, let's go. Il a des mini-potes, ouais, il a des mini-potes. Let's go, c'est nice. Pourquoi tout le monde me tire dessus, ouais. C'était sûr, je sais pas pourquoi je le sentais. Oh, le shield qu'il a, mon ref. Ah, merde. Ok, nice. C'était pas ouf, parce qu'en fait, je savais pas s'il était sous ou au-dessus de l'escalier. S'il était en dessous, bah j'aurais pu edit, ça aurait été pas mal. Mais là, il est passé au-dessus. Nice, 610. Nice. Ok, on va push lui là. On va avancer sur lui. Je suis extrêmement bien. La P90, les mecs, je trouve ça tellement fort. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Le laser que tu peux mettre à travers les murs. Genre, tu peux entrer dans un box d'un coup. Les 35 balles. Ça part trop vite, wesh. Je me suis pissé dessus, je vais pas vous mentir, je me suis pissé dessus. Ça, je vais être honnête avec vous. Heureusement qu'on est à sorti, je vais me mettre full shield, hein. Mais je me suis vraiment pissé dessus là pour le coup. Oh, j'ai eu trop peur, wesh. Je me suis pissé dessus, what the fuck. Ah, il m'a remis bien. Et imaginez les mecs un jour, je parle aux joueurs manette là. Imaginez un jour, vous avez accès à l'aim assist avec la souris. Est-ce que vous lâchez la manette pour venir sur clavier souris ou pas? Même si vous avez jamais joué clavier souris de toute votre vie, est-ce que vous lâchez la manette? Oh le bâtard. Ah, d'accord. Je suis en France, tu traverseras pas, mec. Ah, la P90, mon ref. Double movement, double movement, double movement. Hop. Let's go, GG. Premier top 1 avec le clavier Wooting One, les mecs. Je sens que je vais pas changer de clavier pour un certain petit bout de temps là. J'aime bien. Moi j'aime bien. Petit pouce bleu, les mecs, si vous kiffez les vidéos où je teste des claviers, des souris, des tapis, des trucs comme ça. Je unbox des périphériques justement. Vous savez que c'est l'une de mes plus grandes passions. Je kiffe tester des nouveaux périphériques. Petit pouce bleu, on active la cloche de notification, on s'abonne. Et code créateur YMS, les mecs, dans la boutique. Sur ce, peace les gens, c'était YMS. Ciao.